dans l'île de Santiago. Et je vous signale que c'est l'un des hôtels de Praia. Nous sommes à Praia. Et je pense qu'il doit y avoir une vue sur la piscine. Je vais donc aller vers l'extérieur. Petite terrasse qui donne sur la piscine. Ah, ça c'est dérougé ça. Ok. Nous quittons l'hôtel de Praia. Piscine ouverte sur le grand large. Santiago pour nous diriger vers l'île de Fogo. Arrivée à Fogo, le volcan se détache. Nous sommes sur la route qui mène à la caldeira du cratère de Fogo. On filme le site autour de la route qui nous mène. Et voilà, nous sommes arrivés au parc naturel de Fogo. Nous sommes dans la caldeira. Et voilà le cratère. Malheureusement dans les nuages. Terrain de foot du village intégré dans la caldeira.
Et voilà le cratère que je risque de monter demain. Et voilà notre hôtel pour la nuit. Tout en pierre de lave. Les réserves d'eau sont au-dessus. Et nous sommes vraiment dans la caldeira. Donc on devine les pourtours. Ça va les gracieuses ? Ben, on fait des devoirs de vacances. Ah, devoirs de vacances ! Travaille sur les sujets. Aïe. L'ambiance du soir. Comment s'appelle le resto ? Le comment ? Pedra Bravo. Au Pedra Bravo, et cette fois-ci, on a une vision assez sympathique du sommet du cratère où nous allons aller demain matin. Et on sera obligé de revenir pour faire le truc. Mais on a été très bien dans ce cas. On va revenir. Les gens, les enfants. 6h15. Nous attaquons l'ascension du volcan. Et voilà l'école du village. Nous sommes à l'altitude de 1700 mètres. Et nous allons monter là-haut sur le mont Pico, le volcan Pico de Fogo, à 2829 mètres. Le soleil se lève sur le mont Pico pour le début de notre ascension. Et voici un grenadier. Et tout autour, il y a également des pommiers. Voilà un petit pommier. Derrière, c'est un noyer. Oh, il y a un petit peu tout qui pousse ici. Directement sur la lave, la saison des pluies étant de juillet, août, septembre, donc à partir de maintenant. Mètres d'ascension.
Nous montons toujours. Voilà le village où nous avons couché hier soir. Il est 11h15. Après 5 heures pour monter 1100 mètres avec Zuko que vous voyez, Zuka que vous voyez ici, merci Zuka, et de l'autre côté le cratère, le pic de Fogo, le grand pic de Fogo. On voit du souffle profond là-bas. Inscriptions partout, un souvenir des expéditions. Il y a d'autres touristes plus jeunes que moi. Salut. Bonjour. Papi, junto com Zé. Nós subimos com esse grupo, Zé, que subiu de Zé. Nós subimos com a Tarde. Sim. Zé subiu com o Jones. Na casa é que ele vem. Après le Kilimanjaro, quelques 20 ans avant, j'ai à peu près souffert de la même manière. Oui. Bien sûr. Luca, mon guide, dans le cratère. Descendre dans le cratère. À mon tour d'y aller. Nous sommes à l'intérieur du cratère sans y descendre. Et voilà l'endroit où nous sommes arrivés tout à l'heure. C'était à côté de ce petit piton rocheux. Nous sommes arrivés là. Nous faisons le tour actuellement pour redescendre par un autre côté. Un caillou est parti sous les pieds. Et voilà donc la caldeira vue d'une autre phase du volcan, avec la route qui mène à São Filipe. D'accord, le petit pico donc très coloré. Nous allons y descendre d'ailleurs. Là c'est le petit picot,
Et là, c'est la coulée de lave. Et là, c'est le grand picot sur la caillou là. Et là, il va descendre dans la caillou et dans la pozzolane. Il est bien là. On fait 5 heures pour monter. Et maintenant, on a fait presque une heure à descendre. Et là, on descend sur la pozzolane, ça glisse. Et c'est bien. C'est du ski sur... Du ski sur lave. Oui, oui, oui. Du ski sur lave. Il va descendre. Regarde tout le temps. Ça glisse bien. Ça, c'est bien pour la jambe. Ok. Merci. Arrivé au petit picot. On peut voir un genre d'oasis le long de la caldeira qui recueille donc les eaux de pluie qui tombent sur le volcan, enfin sur la partie interne du volcan. La route passe derrière le petit picot. Il est évidemment beaucoup plus souffrant que le cratère précédent. On voit tout autour avec le jaune et puis également si je me retourne là le monstre sacré là. Celui qui vient d'escalader. Voilà du raisin de Fogo au passage.
dans ma caméra. Et voilà. Il est très bon, très sucré. Et voilà du raisin blanc. De Fogo, toujours. Et voilà une laque. Une lave liquoreuse. Autant pour moi. Cotonnier, sa fleur. Bonjour, bonjour. Et oui, il y a des blonds aux yeux bleus. C'est un ancêtre monsieur de monsieur Montreau. Hey. Bon, nous allons quitter la Poussada Pesa Bravo. Je filme ici la salle du restaurant. La vue sur la montagne, le patio intérieur. De service, les souvenirs, les achats souvenirs, la chambre spartiate, trois lits sans eau et parfois sans électricité. C'est aussi ça le voyage. Alors on termine ses bagages. Chambre à l'hôtel Zaguate à São Felipe pour deux nuits avec vue sur mer. Vous voyez donc 5% de supplément, ce qui est vraiment pas très cher par rapport à l'intérêt que cela comporte. Un ancien canyon, un ancien ravin qui montre que cette île fut autrefois très arrosée. Et la piscine à la droite, ici, où Ambre doit déjà être à l'heure où je vous parle. Petite table, ma foi fort sympathique. Voilà la piscine de l'hôtel Zagate avec provision. Et puis en fait, on dirait qu'il a du orange en dessous, du marron. Je crois que c'est qu'il veut.
sans fogo et sans volcan. Retour à Praia sur l'île de Santiago. Première nuit à San Vicente dans l'hôtel Foya Branca. Ça m'a installé. Libre service. Et en fait, nous sommes dans le bar. Dans le bar où. Je suis en train de sortir d'une crise de goutte particulièrement aiguë qui m'a empêché de poser le pied pendant 24 heures. J'ai cru à une entorse d'abord, mais en fait c'est une crise de goutte qui a vraiment atteint tout le pied, genre d'entorse qui n'en était pas une. Bon, j'ai vu le médecin et je prends les médicaments qui font rapidement effet. Donc ce soir peut-être à Mindelo, nous verrons bien. Notre hôtel Foya Branca à São Vicente. Ici, des chambres, il y a même un tennis. Nous sommes dans un cirque montagneux. La salle de restaurant. Il y a autour une espèce de palmeraie. La piscine, ou les piscines de l'hôtel. Avec des bungalows visuels au-dessus. Et après, on va à l'autre piscine par là. D'accord. Et voilà la deuxième piscine. Avec les bungalows face à la mer. C'est un bungalow où nous aurions dû être au départ si j'avais pas eu mon problème de goutte. Il y a un dive center ici. Au bord de la piscine du Foya Branca. Rien ne vaut une bonne bière. N'est-ce pas, Madame Noll? Une bonne bière après un pied beau hier soir, une main agile. Ah, on va s'en faire un 15 derrière la mer. Je vais plonger dans la mer d'ailleurs, faire un petit tour. Oh là, les vagues.
plage de São Pedro. La plus venteuse, paraît-il, du Cap-Vert. Avec notre hôtel juste derrière. Et tout couché errant. Salle de sport avec son jeu d'échecs. Le centre de la ville de Mindelo. Et je filme le palais de justice et en même temps le palais du gouverneur. Ouais, d'accord. Ça, c'est la rue qui mène à la mer. C'est une des, pour l'instant une des rares villes qui dit de ce nom. Nous allons faire un petit tour dans le marché municipal. Salade ? Non, merci. Le marché n'est tenu que par des femmes. Port de Mindelo. Le port de Mindelo par le bac. Nous empruntons la route montagneuse qui va nous mener de Porto Novo ici-là à notre hôtel. Nous arrivons dans la montagne avec un contraste saisissant au niveau
de la verdure qui apparaît partout, sapins et d'autres essences, pas mal d'essences endémiques d'ailleurs de l'île. On voit apparaître au lointain notre île à nous. Celle de São Vicente. On filme la vallée de Paul. On va monter un petit peu en voiture après et d'accord. Seulement pour voir tout ça. C'est surprenant. Un petit peu de cours de plantes endémiques. D'accord. Ça c'est une plante endémique. Je vais filmer un petit peu d'abord. Ça c'est la langue de vache. Et voilà la langue de vache, une plante endémique. Cette plante endémique, c'est la langue de vache. Okay. Et de l'autre côté, c'est une autre plante endémique. On l'appelle Tolstoï. Tolstoï. On ne peut pas le toucher. C'est dangereux parce que si on le casse, il y a un liquide corrosif. Si en contact avec, par exemple, les yeux, ça brûle. D'accord. C'est dangereux. Avant, c'était le liquide de ce plante ici que les gens utilisaient pour faire des tatouages chez les animaux. D'accord. Ça enlève la poêle. Là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a une espèce de sommet. C'est une espèce de... Comment le dire? C'était pour les avions. D'accord. J'ai oublié les noms, comment le dire, on appelle ça. Pour diriger les avions? Oui, c'est ça, et pour aussi pour la température. Après, c'est que de la descente. Le cratère de Kova, dans lequel il y a deux sources d'eau naturelle. Ils sont directement mis en bouteille et on y fait également beaucoup de cultures, on les voit ici en terrasse. Il y a des là-bas. Petites maisons traditionnelles, on va essayer d'en bosser une. Là nasceu un boia un estrela qui canta brillant e na mão boia un areia qui canta moia. Espanhol nesse mundo fora, só rotina, terra povo cheio de amor, tem morna, tem coladeira, tem voilà encore une vallée plus impressionnante que celle d'avant. Espanhol nesse mundo fora, só rotina, terra povo cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra pôr, cheio de amor. Tem batu, tem fumar. Petit país, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Je suis sur un pont, petit pays, bascule. Ce deux univers un peu près identiques, mais deux vallées complètement séparées par le ton rocheux sur lequel nous sommes. La première est ici. Et la deuxième. Thank you.
Impressionnant, hein. On voit des canaux qui irriguent les plantations, les serpents de la montagne. Là nasceu, põe une estrela qui cata brilhar. Lina mar, põe une areia qui cata moyar. La plante du sisal, que l'on trouve également au Mexique. La côte sauvage de l'autre côté de l'île. Contraste saisissant avec l'autre face. La ville de Ponto de Sol. Nous allons donc dans un petit village qui s'appelle Fontaines. Voilà la route qui nous y mène. Une route à une voie. La route est dans un état terrible. Système de canalisation. Le petit port de pêche de Ponta de Sol.
une distillerie de canne à sucre. Vous voyez comment c'est... Oui, ça rentre là, ça s'écrase. Ah oui, les vis se forment. Le jus de la canne à sucre, oui. C'est vrai. Voilà le jus de la canne à sucre qui sort de cet ensemble. Elle est mise au feu là-bas. Viens. Voilà. Le jus de la canne à sucre est chauffé ici pendant 4 heures. Oui, après, et ensuite, en fermentation pendant ensuite, 15 jours. Ah, en fermentation pendant 15 jours. Oui, c'est ça. D'accord. Après la fermentation. Après la fermentation. Le jus de la canne à sucre est mis dans l'alambic. Ah oui, après dans l'alambic. L'alambic. D'accord. Oui, d'accord. C'est ça. Ça, et l'alambic est toujours en haute, on peut dire vif. Toujours vif. Le battre oui, en même temps. C'est d'accord. Ça, c'est le battre. Ça, c'est-à-dire que avant, c'était des esclaves qui faisaient tourner la machine. Plantation là qu'on voit en ligne. Ça, c'est la plantation des choux. Ah. Les petits choux qui sont en haut, il y a des choux de gros. Des choux déjà premiers. On est venu jusqu'ici pour visiter et voir. Levée matinale sur le Pedrassine Village. De la canne à sucre en terrasse. Entrée dans la chambre. La salle de bain.
chambre principale. La chambre secondaire pour la Nina. Pour la Nina. Et la télévision qui marche plus. Qui marche plus, et qui n'a jamais marché d'ailleurs. Si, hier, on a juste eu un flash info. Ah bon ? Ouais, et la fin du film. Bungalow en pierre et toit de chaume. Avec un joli appareillage des pierres malgré tout. Hein, c'est une grosse pierre. Avec les joints entourés de petites, c'est pas mal fait. C'est coquet. Nous arrivons à la réception. C'est là qu'on va se... Non, bah là, je vais... tu n'en veux pas ? Non. Petit déjeuner du mat, n'est-ce pas, mademoiselle ? Ouais. Par contre, il faut que je revoie ma cuillère. Pour que je puisse étaler la confiture sur le... Un magnifique bougainvillier au-dessus de tête. Et la montagne. Non, on se fera des masques quand même. Hein. Bah, tu ne penses pas des masques. Et bien, tu ne casses pas. Et tu veux que je te fasse un coup. Et voilà un pied au bord de la piscine. Et voilà une main sur les fesses au bord de la piscine. Voilà. Oh, elle est de bonne humeur, mon enfant. Oui. Je pars du petit village de Fontainas, perché dans la montagne. Pour suivre un chemin de randonnée, environ 15 km, jusqu'à Cruzinas, soit environ 4 heures de marche. Si tout va bien, le voilà, je suis parti. Le village point de départ, Cruzinas, vu d'une autre face. Je quitte le village départ. Pour basculer progressivement vers la mer. En empruntant ce chantier. Ce sentier. En contrebas. La ville côtière de
Punta do Sol. Et de l'autre côté, mon village de destination, par ce chemin. Je traverse d'étroites vallées très encaissées, composées de tout petits villages, et toujours d'une coulée verte où les gens cultivent. Et voilà les petits canaux d'irrigation qui longent les montagnes et arrosent les jardiniers. Ici, il y a toujours de l'eau, même en période de saison sèche. Nous y sommes encore, nous la quittons, puisque les pluies commencent au mois d'août. Donc certaines îles du Cap-Vert sont vertes. Celle-là uniquement, je pense. L'eau, c'est la vie, et donc les villages s'articulent autour. Je longe désormais le littoral par ce petit chemin. La place d'un village pas comme les autres. Le chemin longe désormais la mer. Qu'il reste d'une maison traditionnelle. Ah, avec le puits, s'il vous plaît, oui, il y avait un puits. Et un point de vue sur la mer également.
Et un petit jardin en bas. Ça n'était pas un puits, mais le foyer pour faire le feu, oui. Quel est donc cet arbuste ? La fleur rose et avec des espèces de fruits verts. J'arrive au terme de ma promenade et ici le paysage change, ainsi que la roche. On voit ici du calcaire, d'abord en paillettes, du sable en paillettes et puis du calcaire au-dessus, c'est assez surprenant. Le terrain est maintenant beaucoup plus plat. Je vais arriver au village de Cousignas, terme de ma destination. Voilà le village de Cousignas, donc terme du voyage, village de pêcheurs. Un pont fort original sur la route de retour. Très étroit avec de multiples arcades. Un point de passage piétonnier ou mulier, je ne sais trop. Et voilà les deux inséparables.
Les mantes religieuses font également partie du décor. Léon! Au revoir Léon! Tu veux qu'on t'en a mangé Léon, hein? Je veux déjà donner à manger. Nous quittons le Pedrassine Village. Ben voilà, il va retourner chez lui. Hein. Et l'eau de la piscine est vidée régulièrement pour arroser les plantes. L'eau sert à arroser les plantes. Madame Nol. Et t'auras même pas besoin de mettre de musique sur ton film, il y a des crapauds. Oh, il est beau, Léon. Ah, il y a quand même des motos, arrivée du bac São Vicente. Qui rentre pour décharger les bagages. 2 euros le parcours. Aux poissons de l'île de l'eau. Stava
une piscine d'eau de mer naturelle. Baia des Gatas. L'équivalent de la Phénicie en Crète. Avec la pierre de lave. Chambre du Moravessa à Salles, face à la mer. Un petit paravent. Je rentre à l'intérieur.
La première chambre. Avec la loue. Alias le salon. Alias le salon. On est pas en fait, c'est le salon. La chambre principale. Oui, le WC, ma foi, pas trop mal. La salle de bain. Douche, bidet, lavabo et même baignoire. Que demande le peuple ? Grand luxe ! On rabaisse ça. C'est la trousse.
Ambiance du soir au Morabessa. Nous allons manger là-haut, dans le restaurant situé à l'étage. Le restaurant La Tortue. La Tortue. Fin du premier repas à Salle. Et la Lou a voulu qu'on se reprenne dans le. Et toi, je trouve pas mes oreilles. Ça marche pas ton truc. La Lou a voulu qu'on se prenne. Bon, on a encore pris un coup de grisou aujourd'hui. Bon, ben on vous dit au revoir. Hein. Au revoir tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Première plongée au Cap Vert. Da solo non ci riesce, troppa roba? Dans l'île de Sal. Lo zaino poi? Voilà le club de plongée. Cosa c'ha solo lo zaino? Départ vers le ponton. Voilà notre bateau de plongée.
Attention. Hop et là. Au suivant de ces messieurs. Hop et là. Claire. Deuxième plongée en face de cette dune de sable. Ça s'appelle la plongée du champignon. Eh oui. Tête d'espadon. C'est un name. Name Black. 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 Bonjour Black. Bonjour Black. Sa gracieuse majesté. Tiens, donne mon petit poussin, maman. Je regarde quelque chose. C'est moi, Didi. Ben voilà, quoi. Hein, t'as fait le tour. Non, mais j'essaie de voir. Je vais dans le râtelier. Ouvre la bouche. Qu'est-ce qu'il fait? Des UV. Ouais, je suis mal, tu verras. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Allez, mais qu'est-ce que tu fais? Rien. Ouais. Et voici l'œil bleu, 12 mètres de profondeur. Mirage. On a l'impression d'une étendue d'eau, alors qu'en fait il s'agit du désert. C'est très net ici. Ça n'est pas de l'eau, c'est du sable. Même le mont se reflète dans l'eau.
de Saline. À travers ce tunnel. Un ventre instructif. Non, tout le monde vient chez les îles de Cap Vert. Eh oui. Ah ouais, j'ai comme des sous. Et j'ai en plus. Des sous, j'ai un quadre. En réalité, il s'agit d'une saline dans un ancien cratère et l'eau de la mer arrive naturellement par des trous, par je crois deux trous, qui passent donc de la mer à ce cratère. Et on voit d'ailleurs des baigneurs ici en bas, on peut se baigner dans les salines, un peu comme dans la mer morte, où on est porté par le... par le sel. Donc voilà l'importance de l'eau. Assez exceptionnel, ma foi. Vida boa, hein? Tá certo, assim? Dernière étape de notre voyage. Du Spinga. Perdu complètement dans les montagnes de Boa Vista. Voilà notre bungalow. On a une cuisine, mais on n'en fera rien. Le Béabéchou, il va dormir là. Et nous ici, superbe. La douche. Voilà donc l'exemple d'un écologe avec je sais pas, peut-être une vingtaine de chambrées et qui fonctionne en autonomie grâce à une éolienne et des capteurs solaires. Le photovoltaïque est assuré par 36 panneaux solaire de ce type, de surface d'1,50 m chacun. L'inclinaison est très très faible. Voilà le compteur de l'éolienne qui indique la 450 W, mais ça varie en fonction de... On voit très nettement que le... ça varie de
689 watts, là par exemple 741, 715, 767, 741, donc c'est variable effectivement en fonction de du vent. Et là c'est donc le photovoltaïque. Ici c'est le photovoltaïque. C'est par groupe de 12 quoi, 12. 12, oui, 3 fois 12, 36, 36 capteurs photovoltaïques. Ils sont coupés ici. Et là, c'est le. Ça, c'est quoi ça? C'est les régulateurs de courant. Les régulateurs de courant qui sont là. Il y en a 3. Ici. Ça, c'est les convertisseurs. Convertisseurs, 3 convertisseurs. Ils sont 15 kW chacun. D'accord. 3 convertisseurs. Et le système de batterie que voilà. Ah oui, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 24. Qui fonctionne au diesel qui est à l'extérieur. D'accord. Et vous faites fonctionner souvent ? Tous les jours, 1 heure, 2 heures. Une heure à 3 heures, le groupe électrogène fonctionne 1 heure à 3 heures par jour. Ouais. Pour compenser le manque, il n'y a pas assez ? Pourquoi nous avons les fers, nous avons les... I don't know, I can't explain in French. Ouais. To warm the water, to have shower. Oui, d'accord, pour chauffer l'eau. Pour chauffer l'eau, il y a besoin d'un complément, d'accord. Ouais. Il y a besoin d'un complément. Ouais, de... les... D'accord. For the water are not, with d'accord. Plants. Voici le groupe électrogène qui prend le relais 1 à 3 heures par jour et qui marche au fioul. Donc voilà la réserve de fioul de 3000 litres. Tel Ryu, perdu dans les sables. Architecture mauresque. Rabil et son ancienne usine de tuiles. L'immense plage de sable de Chavez. Le désert de Vienna, assez sympathique malgré tout. Hein. Ça y est, c'est parti. Hein. Et ça y est, je suis en train de vous filmer. Ça va. Bah pourquoi t'es parti, toi ? Ah mais non ! Là, ton père. Voilà. Et voilà des cubes blancs. Gagné au marché noir. Vert, c'est de l'art sénégalais, ça, oui, c'est ça. Sénégalais, c'est pour la caverne, un tableau pour la caverne.
Contraste saisissant par rapport au désert. Extensa de Baixio. Ou la vallée verte. A Baulista. Ma sì, Attila, adesso andiamo. Basta parlare, capito? Tanto risolvo questo parlando, sennò vuoi risolvere di qualcosa. Avec des partenaires français. C'est comment le deux prénoms? Morgane. Morgane et Guillaume. De Tunisie, des Tunisiens. Ils subissent la loi islamique. Ma lì è un canale. Mais on va mettre les dents. C'est pas bon. On est dans le sac et dans le t-shirt. T-shirt, c'est pas bon. Non, l'acteur est dans la bague. Mais on va mettre bon place. Quelques aigrettes. C'est tellement rare de voir des oiseaux dans ce pays que ça mérite le film. Mais ouais, mais il se barre. Hôtel de 2000 chambres, je crois. Encore une spéculation espagnole. Plage de l'hôtel Scuba Caraïbes. La plage de Santa Monica. C'est saline naturelle. Petit bistrot sur la route du retour avec un petit toutou que je vois là. On aurait sur la route de Proferas avec une échasse s'il vous plaît. La plage de l'hôtel Spinguera.
que 500 mètres plutôt le terre, malheureusement. Très grosse sauterelle volante. Moi je la vois pas. Moi je la vois dans ma caméra. C'est parce qu'il y a sur la branche là ? Non, non, mais elles sont énormes. Moi aussi j'en ai. Le phare de Maro Negro. Des panneaux solaires là pour récupérer l'énergie. Et voilà le site vu d'en haut. Il n'y a plus de barrière donc. Elles ont peur des hommes parce qu'elles sont chassées. Praia das Gatas, nous allons nous y baigner. Très belle plage, très belle anse. De l'autre côté de la mer, de la plage, une espèce de saline, on va l'appeler comme ça. Mariage capverdien. C'est la mer. Dans ce monde désertique,
Là, nous sommes dans une espèce de palmeraie. Un lit de rivière asséché, semble-t-il. Puisque la palmeraie se prolonge le long de ce lit. Ils viennent boire, il y a un point d'eau, c'est pour ça. Oh là là, les biquettes. Eh ben non, dès qu'il y a l'eau, il y a de la vie, hein, c'est le cas de le dire. Super photo. Eh ben, il y a même des vaches dans le désert. Eh oui. Les plages du sud de l'île. Toujours du sable blanc à perte de vue. Et une mer bleu azur, bien sûr. La place du village de Figueras, avec un semblant d'âme, son église. Ses bougainvilliers et ses maisons colorées. L'église de Figueras, où j'ai filmé un mariage. Plafond coloré également, assorti au sol d'ailleurs. La plage de Chavez.
fer, trazendo força, trazendo força, amanhã ser um dia de ver, trazendo luz, trazendo fer, sempre te restará, numa cidade de merda, não me alegro, sempre está por ti. Départ de Boa Vista et retour vers Salles. Santa Maria, vu de l'autre côté, la nuit. Restaurant pizza. L'avant-dernier soir, la salle. Notre dernier hôtel à Salles. Comment tu l'appelles cet hôtel? Le Rojo de Agua. Le Rojo de Agua, ah bon. Le Rojo de Agua, c'est ça? Allume la lumière un peu là-bas. Chez nous. Coucou! Et tu vas pas voir les toilettes? Je te fais la visite ni des stupes parce que j'y suis. M'allume? Ah oui, je sais pas trop les lumières. À la verticale, comme le groupe Sapiens.
dernier jour à sa départ en catamaran. L'Odyssée. Que fica
c'est vrai.